10 téléphones portables du futur que personne ne doit connaître. Les téléphones portables sont de plus en plus modernes et équipés de toutes sortes de gadgets et de fonctionnalités pratiques. Les fabricants s'efforcent constamment de mettre sur le marché les technologies, le design, les matériaux et les couleurs les plus récents. Cette vidéo traite de 10 téléphones portables du futur qui devraient rester secrets. Regardez la vidéo complète pour voir le modèle fou au numéro 1. Abonnez-vous à notre chaîne et donnez un like à la vidéo. En cliquant sur la cloche, vous serez averti dès que notre dernière vidéo sera mise en ligne. Numéro 10. Écran extensible. Le fabricant chinois TCL n'a pas réussi à garder secret l'un de ses derniers modèles de téléphone portable. Son équipe créative prévoit de mettre sur le marché un nouveau type de téléphone portable extensible. Je sais que vous pensez que des téléphones rétractables, cela existe déjà. Vous avez tout à fait raison. Mais ce téléphone portable pourrait être comparé à une table à manger coulissante pour accueillir les invités du soir. Lorsque ce type de table se remet dans sa position initiale, vous ne pouvez pas voir qu'elle propose cette fonctionnalité. C'est pareil pour ce téléphone. Vous pouvez étendre ce téléphone à la taille d'une tablette en cas de besoin et le remettre dans sa forme initiale dès que vous avez fini. Le modèle est similaire au Galaxy Z Flip et au Motorola Razr, utilisant un affichage continu, avec des écrans courbes des deux côtés. Quel score donneriez-vous à ce modèle? Choisissez un nombre entre 1 et 10, où 1 est le plus bas et 10 le plus élevé. Nous attendons avec impatience votre réponse dans les commentaires. Numéro 9. Samsung New Infinity. En tant que fabricant de téléphones portables, il n'est pas facile de toujours trouver le téléphone le plus original. Que faire qui n'ait pas encore été fait pour que son téléphone se distingue de tous les autres? Samsung a eu l'idée de travailler avec des écrans incurvés sur les côtés. L'idée n'a pas été accueillie très favorablement. Car quelle utilité pourraient avoir les écrans incurvés? Samsung a persévéré et a quand même réussi à créer le modèle. Et devinez quoi? C'est devenu un succès. Le téléphone avec un écran incurvé est plutôt cool. Les concurrents ont fini par l'imiter, bien sûr. Apparemment, la prochaine étape pour Samsung consisterait à proposer un écran courbé en bas et en haut, et des côtés plats. Achèteriez-vous un portable comme celui-ci? Numéro 8. Motorola Razr 2. La marque Motorola est connue pour ses téléphones portables pliables, que vous pouvez mettre dans votre poche. Mais même Motorola doit rester à la pointe de son industrie et adapter son modèle très connu qui est désormais dépassé. Motorola a donc sorti le superbe Motorola Razr, toujours pliable, mais avec un tout nouveau look, présentant quelques caractéristiques de l'ancien modèle familier. L'écran a été modernisé et le téléphone a été équipé de toutes les exigences d'un smartphone Android moderne. Maintenant, le Razr a besoin d'être renouvelé et le Motorola Razr 2 est en route. À quoi pouvez-vous vous attendre? Un écran plus grand, une plus grande capacité de stockage et un chargement sans fil, et bien plus encore. Et bien sûr, il restera un modèle à clapet. Le Motorola Razr 2 était prévu pour 2020, mais a été repoussé à 2021. Trouvez-vous les téléphones à clapet pratiques ou préférez-vous le modèle en une seule pièce? Numéro 7. Nokia 2030. Le fabricant Nokia ne reste pas non plus inactif et est occupé à imaginer et à concevoir les téléphones mobiles du futur. L'un de ces téléphones conceptuels est le Nokia 2030. Avec ce téléphone plutôt petit, vous pourrez envoyer des messages très rapidement. Il s'agit d'un téléphone avec une apparence très particulière. Un écran entièrement coloré, un clavier éclairé et un boîtier résistant aux rayures. Il sera fabriqué en titane poli et aura apparemment la capacité de changer de couleur. C'est un concept et je ne suis pas sûr que ces téléphones sortent un jour sur le marché. Mais de toute façon, nous ne nous lasserons jamais de toutes les nouvelles possibilités offertes par les téléphones portables. Alors, un peu de rêve ne peut certainement pas faire de mal. Il y a une petite chance que le Nokia 2030 ne reste pas seulement dans les salles de design de l'entreprise, mais qu'il trouve un jour son chemin vers les magasins. Qui sait? Peut-être que le Nokia 2030 séduira les consommateurs d'aujourd'hui. Nous devrons attendre pour le savoir. Numéro 6. Samsung Galaxy F2.
On s'attend à ce que l'offre de téléphones portables à écran flexible augmente à l'avenir. L'idée de pouvoir agrandir l'écran de son téléphone semble devenir de plus en plus attrayante pour les consommateurs. Samsung a sorti le Galaxy Fold, qui n'a pas connu un grand succès sur le marché. De nombreux utilisateurs se sont notamment plaints que l'écran éclatait après de fréquents pliages et dépliages. Samsung n'aime pas abandonner, et le successeur du Galaxy Fold est vraiment attendu. Le modèle s'appellera probablement Galaxy Bloom. Des matériaux améliorés seront utilisés, et l'appareil photo contiendra un appareil très perfectionné, avec lequel vous pourrez prendre de très belles photos. Il est également prévu que l'écran pliable soit plus grand que celui du Galaxy Fold. Avez-vous déjà fait un choix pour votre futur téléphone? Avant de passer aux 5 derniers téléphones portables du futur, qui devraient rester secrets, nous aimerions que vous vous abonniez à notre chaîne et que vous cliquiez sur la cloche. Maintenant, nous savons que vous voulez continuer à voir nos vidéos. Numéro 5, Samsung Galaxy Z. Les designers de Samsung ne restent pas inactifs une minute et travaillent en permanence sur les smartphones du futur. En 2025, ils prévoient de présenter le Galaxy Z au grand public. Ce téléphone futuriste aura une apparence tout à fait unique, sans bouton ni entrée. Ce n'est pas pour rien que le nom Z a été choisi. Avec ce concept, Samsung présente une véritable nouveauté. Imaginez un téléphone portable sans port pour votre chargeur ou carte mémoire et sans bouton de volume. L'affichage sera courbé sur les quatre côtés. Le Galaxy Z sera doté d'un bouton de détection du volume sur le côté droit avec lequel le son peut être augmenté ou diminué en le faisant glisser. L'appareil disposera également d'un scanner d'empreintes digitales à ultrasons sous l'écran. Mais comme vous pouvez l'imaginer, d'autres fabricants sont également occupés à concevoir un téléphone sans trou. Beaucoup de concurrence. Numéro 4, iPhone 2025. Un autre smartphone dans la gamme des téléphones flexibles est l'iPhone 2025, qui, comme son nom l'indique, est attendu en 2025. Ce téléphone sera également fabriqué dans un matériau très souple et pourra être plié vers l'intérieur comme vers l'extérieur. Avec cela, l'iPhone 2025 sera certainement au sommet de la gamme des téléphones flexibles. L'appareil photo de ce téléphone aura 4 objectifs différents avec des zooms interchangeables. Pour les photographes parmi nous, c'est une véritable aubaine de pouvoir prendre des photos professionnelles avec son mobile. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Avec ce téléphone portable dans votre poche, vous n'aurez pas besoin d'être un photographe expérimenté. La qualité des photos sera immédiatement parfaite et pourra être partagée directement sur les réseaux sociaux. Pour 2025, le fabricant Apple se chargera également de la production de ses propres puces 5G. Ce sont de grands projets qu'a cette entreprise pionnière, que vous, en tant qu'amoureux des produits Apple, ne devriez certainement pas perdre de vue. Numéro 3, BlackBerry Qi 3. Les téléphones portables de la marque BlackBerry étaient populaires il y a quelques années et dominaient le marché des smartphones. Avec son large design distinctif et son clavier unique, la marque a eu des adeptes dans le monde entier. Cependant, l'entreprise a perdu sa position de leader en raison du succès des systèmes Android et iOS. Les BlackBerry ne se sont jamais complètement remis de cette grave récession, mais ils ont eux aussi décidé de passer au smartphone Android. Ils ont imaginé différents modèles et pour l'avenir, le BlackBerry Qi 3 est prévu. C'est le successeur du BlackBerry Qi 2. Ce téléphone aura un clavier ultra moderne et une batterie qui durera au moins 2 jours. Il contiendra également un processeur puissant et un modem 5G. L'écran sera de haute qualité et fabriqué en verre de protection Gorilla Glass. Donc, ce téléphone sera capable de survivre à une bonne raclée. Donneriez-vous une chance au BlackBerry Qi 3? Numéro 2, triple téléphone pliable. Chez TCL, on prévoit d'amener le téléphone pliable à des hauteurs encore plus vertigineuses. Au lieu d'un seul pli, le téléphone flip à triple affichage, qui n'a pas encore de nom officiel, sera introduit. Ce téléphone se compose de 3 écrans que vous pouvez déplier 2 fois pour obtenir un écran d'environ 25 cm de large. Il est également possible de le déplier une seule fois.
Cependant, lorsqu'il est plié à la taille d'un smartphone normal, il s'agit en fait de trois téléphones empilés les uns sur les autres. C'est un inconvénient, car aucun utilisateur de smartphone ne souhaite se promener avec un téléphone lourd et épais dans la poche. Les concepteurs ont donc encore du travail à faire pour rendre le téléphone moins encombrant et plus moderne. S'ils continuent ainsi, nous aurons bientôt un téléphone portable qui deviendra une télévision pliante. Et maintenant, peut-être le téléphone le plus unique que vous ayez jamais vu, au numéro 1. Je suis sûr que vous l'avez vu dans des films, avec ces téléphones transparents ultra modernes et aussi branchés. Et en fait, nous supposons que tout est possible sur son grand écran. Mais pensiez-vous pouvoir posséder vous-même un téléphone transparent ? Qu'il soit inspiré par le cinéma ou non, quelques fabricants de téléphones portables se sont lancés dans la conception d'un téléphone transparent. On se demande comment un tel téléphone est construit, car c'est un vrai mystère quand on le regarde de cette façon. En pratique, il faudra encore déterminer si ce téléphone est vraiment pratique à l'usage et si l'impression de n'avoir rien dans la main est agréable ou pas. Avec le téléphone transparent en votre possession, vous ferez sûrement bonne impression dans votre entourage. Bien sûr, il y aura aussi une belle étiquette de prix qui sera affichée. Que pensez-vous de ces téléphones mobiles du futur ? Faites-nous savoir dans les commentaires quel modèle vous souhaiteriez avoir. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour obtenir encore plus de vidéos amusantes et éducatives sur le top 10. Et enfin, donnez un like à cette vidéo. Et merci de l'avoir regardée.